Monsieur Branham Seydani, bonjour. Bonjour. Alors, adoption du mode d'enseignement à distance et mesures pédagogiques exceptionnelles introduites dans le mode d'évaluation et la progression des étudiants, mis en place des mesures d'assouplissement en faveur de l'étudiant, en raison bien sûr de la situation exceptionnelle que nous vivons, en raison de la crise sanitaire. Comment vont se dérouler les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers? Quel est le mode opératoire que vous avez adopté au niveau de votre département ministériel en tenant compte, bien sûr, de la situation sanitaire, puisque dans quelques jours, vous allez recevoir pas moins, plus de 280 000 nouveaux bacheliers? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonjour nos amis auditeurs. Effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le secteur de l'enseignement supérieur adopte de manière officielle l'enseignement hybride, c'est-à-dire dans sa formule présentielle et à distance. Et c'est comme ça que nous avons pu clôturer l'année universitaire 2019-2020 dans des conditions sanitaires tout à fait exceptionnelles. Et nous allons continuer sur ce mode d'hybride et nous allons également adopter cette démarche pour pouvoir assurer l'inscription à nos nouveaux bacheliers. Et c'est une opération qui est extrêmement importante et qui revêt un caractère stratégique pour notre pays, puisqu'il détermine l'avenir de notre jeunesse. Et donc cette opération, dans l'ensemble de ses phases, se fera complètement à distance. À commencer d'abord par les portes ouvertes que nous avons entamées il y a quelques jours, à partir du 15 du mois d'octobre. C'est des portes ouvertes sur les universités, sur les écoles nationales supérieures qui se font complètement à distance, c'est-à-dire en virtuel. Et puis les autres phases également se feront à distance, de telle manière à préserver la santé de nos étudiants, mais aussi de toute la communauté universitaire, tout en étant efficace et en offrant le confort, mais également réaliser cette opération dans les normes pédagogiques et sanitaires nécessaires. Le protocole sanitaire que nous avons élaboré, il a été élaboré suivant une démarche participative que M. le ministre a adopté dès sa prise de fonction, c'est-à-dire en étroite collaboration et en partenariat avec les différents partenaires sociaux, les syndicats, les associations étudiantines, les chefs d'établissement, nos amis des œuvres universitaires, bref, toute la communauté universitaire était embarquée dans cet élan, dans cette démarche. Et c'est aussi un protocole sanitaire qui a été adopté par le conseil scientifique du ministère de la Santé. Mais pour les inscriptions et le choix des filières, quel est le mode opératoire que vous avez aujourd'hui adopté au niveau de votre département ministériel, puisque vous avez introduit des nouveautés pour l'inscription et le choix des filières? Alors, l'opération des inscriptions des nouveaux bacheliers, elle s'articule sur quatre phases importantes. La première, c'est les portes ouvertes, pour que le nouveau bachelier puisse connaître c'est quoi l'université et quelles sont les filières qui sont ouvertes et les modes d'orientation. La deuxième phase, c'est l'opération des préinscriptions, c'est-à-dire le choix des étudiants. Alors, nous avons cette année, comme nouveauté, nous proposons aux nouveaux bacheliers 6 choix au minimum dans leur fiche de vœux et 10 choix au maximum, dont obligatoirement 2 choix qui doivent être des licences à caractère local ou régional. Et puis par la suite, il y a l'opération de traitement de ces fiches de vœux. Et à l'issue du traitement de ces fiches de vœux, nous allons déterminer la moyenne minimale d'accès en vue d'une inscription dans chaque filière. Alors, pour la moyenne minimale d'accès pour les inscriptions dans ces filières, il y a une seule grande discipline qui a un caractère national, c'est les filières médicales, c'est-à-dire la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie. Mais sinon, tout le reste, c'est des moyennes spécifiques à chaque établissement.
Mais hormis les filières médicales, puisque vous les avez citées un instant, pourquoi la suppression de la note minimale pour toutes les autres filières, pour l'accès aux autres filières? Alors, qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Alors, le système d'orientation au niveau de l'enseignement supérieur a commencé en 1990. Là où nous avons commencé à avoir la massification au niveau de l'enseignement supérieur, donc il fallait réguler ce processus d'orientation des étudiants. Et je dirais que c'est l'un des systèmes d'orientation les plus performants à travers le monde. Et chaque année, année après année, nous apportons des modifications dans le sens de l'améliorer encore davantage, dans le sens de le rendre plus visible et surtout assurer l'équité et la transparence en matière d'orientation de nouveaux bacheliers, de nos nouveaux bacheliers auxquels je présente toutes mes félicitations pour leur succès. Alors, exemple, l'année dernière, il y avait une frange de bacheliers qui avait un bac avec mention bien, c'est-à-dire entre 15 et 16 de moyenne, où ils n'avaient pas leur choix en raison du nombre de choix qui a été plafonné à 4. Alors le bachelier, il choisit médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, plus une licence LMD. Alors il n'a pas les filières sciences médicales et il tombe donc sur les filières LMD, peut-être qu'il ne cadre pas avec son choix. Donc cette année, nous avons relevé le nombre de choix pour lui permettre donc de choisir le maximum de filières possibles et surtout de les hiérarchiser par ordre de priorité. Ça a. Et deux, l'année dernière également, le fait de prévoir des notes minimales d'inscription dans des filières qui ont un caractère national, ça a pénalisé aussi bien les étudiants et ça a pénalisé aussi les établissements. Il y a des établissements, par exemple au niveau des Hauts Plateaux, au niveau du Sud, qui ont des capacités d'accueil importantes, mais du fait que la moyenne minimale était par exemple de 15, eh bien, ces établissements n'ont pas pu faire le plein par rapport à leur place pédagogique disponible. Donc cette année, on laissera donc cette possibilité aux établissements d'inscrire des nouveaux bacheliers suivant leur capacité d'accueil. Mais avec la suppression de la note minimale et avec l'adoption du principe d'inscription selon la disponibilité des places pédagogiques, les établissements ou le système va devoir aussi sélectionner en fonction des disponibilités et prendre aussi les meilleurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre forme indirecte d'imposer la note minimale? La note minimale, elle est d'abord l'inscription au niveau des universités, bien entendu, c'est au plus méritant. Mais je rassure nos bacheliers que le secteur de l'enseignement supérieur assure une place pédagogique pour chaque bachelier, quelle que soit sa moyenne. Mais c'est l'orientation des bacheliers, elle se fait sur la base de la moyenne obtenue au baccalauréat, donc au plus méritant, le meilleur choisi, bien entendu, sur la base de la spécialité de son baccalauréat, la filière. Trois, c'est en fonction des places pédagogiques offertes au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur. Et quatre, suivant la circonscription géographique du bachelier. Voilà les quatre principaux paramètres sur lesquels nous nous basons pour orienter les étudiants. Bien entendu, il y a une sélection, mais c'est une sélection qui est tout à fait objective et pragmatique, qui est basée sur le mérite. Mais je rappelle encore une fois, et je tranquillise tous nos bacheliers pour leur dire, chaque bachelier aura une place pédagogique en fonction de sa moyenne et de ses capacités intellectuel. Donc en termes clairs, toutes les filières sont ouvertes à l'inscription et pré-inscription, à l'exception des filières médicales, médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Alors, à partir de samedi prochain, à partir du 24 octobre,
nous allons ouvrir la plateforme. La plateforme, et les étudiants auront à faire leur préinscription, c'est-à-dire à déposer leur fiche de vœux. Un conseil, la fiche de vœux, il faut bien la renseigner. Il faut hiérarchiser par ordre de priorité ses choix, afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Ça ne veut pas dire que si vous avez la possibilité de candidater pour une filière donnée, par exemple, si vous avez 15, vous avez la possibilité de choisir médecine. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir médecine. Donc il va falloir faire attention au deuxième choix, faire attention au troisième choix. C'est une question d'offre et de la demande. Les bacheliers auront à télécharger toutes les filières qui sont autorisées, qui leur sont autorisées en fonction de leur moyenne obtenue au baccalauréat. Et à partir de cette short list de filières autorisées, ils vont devoir choisir par ordre de priorité leur choix. Puis par la suite, nous allons faire un traitement informatique de toutes ces fiches de vœux et en fonction des places pédagogiques, nous allons faire l'affectation des nouveaux bacheliers vers leur lieu d'inscription. Et immédiatement après la proclamation de l'orientation des nouveaux bacheliers dans leurs établissements, il va falloir que ces bacheliers confirment leur affectation. Mais dans le cas où le premier choix n'est pas retenu, est-ce qu'il y a possibilité de faire ou d'introduire un recours ? Le recours, il n'a pas sa place, puisqu'on donne la possibilité à l'étudiant de faire un minimum de 6 choix et un maximum de 10 choix. Donc s'il ne remplit pas les conditions pour la première, on passe à la deuxième. C'est un système automatique. Si le deuxième choix n'est pas rempli, on passe au troisième, et ainsi de suite. Les délais et les dates limites pour les préinscriptions et inscriptions définitives, est-ce que vous les avez fixées? Puisqu'à partir du 24, vous allez ouvrir la plateforme pour les préinscriptions. Alors je vais donner rapidement les dates. La première phase, c'est les portes ouvertes, donc du 15 au 25 octobre, c'est en cours. La deuxième phase, c'est l'introduction des fiches de vœux et de la préinscription en ligne. C'est du 24 octobre, du samedi prochain, jusqu'au 5 novembre. Le 5 novembre, au soir, nous allons communiquer les résultats des affectations des nouveaux bacheliers. La troisième phase, c'est le traitement des cas particuliers où un bachelier n'a eu aucun choix. On va les traiter. La phase 4, c'est l'inscription en ligne des nouveaux bacheliers qui commencera du 8 au 18 novembre 2020. Alors ça, c'est pour tout ce qui concerne un peu les choix des filières et les préinscriptions et inscriptions définitives pour les nouveaux bacheliers. Ce qui est relevé aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur, c'est que vous essayez d'élargir un peu le portefeuille de formation. 26 nouvelles offres de formation sont ouvertes cette année dans 4 dans des filières d'ingénierie. C'est important aujourd'hui de reprendre le diplôme d'ingénieur d'État. Tout à fait. Qui a été carrément abandonné avec le LMD. Tout à fait. Chaque année, la circulaire apporte des nouveautés. Et parmi les nouveautés de cette circulaire, cette année, il y a l'ouverture de 26 nouvelles offres de formation, dans une dizaine qui ont un caractère professionnalisant. Aussi en plus de 4 nouvelles filières d'ingénierie que nous avons introduites au niveau de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Ces filières d'excellence, donc à vocation pratique, c'est l'électrotechnique, c'est du génie mécanique, c'est de l'agriculture saharienne. Donc c'est des filières extrêmement importantes et c'est des filières pilotes. Et là, ça marque la volonté du secteur de l'enseignement supérieur à réintroduire progressivement la filière d'ingénierie dans les cycles de formation de manière générale. Alors, Monsieur Bonem Sidani, moi je voudrais revenir avec vous sur les filières, bien sûr, d'ingénierie. Vous les reprenez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que c'était important dans le contexte actuel, puisque vous allez favoriser certaines filières qui sont nécessaires pour le développement économique, le génie mécanique, l'électrotechnique, l'électro-automatique et l'agriculture saharienne. Est-ce que c'est important dans le contexte
contexte actuel, par rapport à cette vision aujourd'hui de développement économique, vous adapter aux besoins économiques? Absolument. Depuis l'avènement du système LMD au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur en 2004, et nous l'avons fait de manière progressive, petit à petit, on a abandonné quelque part la formation dans le domaine de l'ingénierie qui est restée spécifiquement dispensée et elle le demeure au niveau des écoles supérieures. Maintenant que le marché du travail en demande ce type de formation, eh bien, il va falloir que l'université, le secteur de l'enseignement supérieur, réponde aux besoins du marché du travail. Et c'est dans cette optique que nous avons réintroduit ce type de formation, ce parcours de formation, pour être en adéquation avec le marché du travail. Et nous avons choisi ces filières que vous venez de citer et les localiser dans des endroits qui sont propices. Vous prenez par exemple le génie mécanique, le bastion de la technologie mécanique, c'est au niveau de Constantine. Vous prenez l'agriculture saharienne, c'est essentiellement Wetsouf et Ouargla, en plus de Biskra. Vous prenez l'électronique, l'électrotechnique, c'est Dibla Abbas. Donc nous avons fait des choix pertinents de telle manière à ce que ces formations, ces parcours de formation soient concluants, là en attendant la révision de la loi d'orientation propre au secteur de l'enseignement supérieur, où nous allons revenir sur cette question pour mieux adapter les offres de formation du secteur de l'enseignement supérieur aux besoins socio-économiques de notre pays. Oui, mais quand on forme des générations, c'est-à-dire en prévision de développement économique, or que là, on prend les choses, le train en marche. Avoir abandonné ces filières, est-ce que c'était une erreur au profit du LMD? Je ne pense pas, non. Pas du tout, parce que le système LMD, c'est un système anglo-saxon, c'est un système qui a été adopté par pratiquement tous les pays du monde. C'est un système qui permet plus de visibilité des diplômes, il permet un brassage culturel, il permet la mobilité des étudiants, il permet de mettre l'étudiant comme étant un acteur au centre d'intérêt du pédagogue. Donc c'est un modèle qui a prouvé ses résultats au niveau planétaire. Maintenant, il reste à le perfectionner encore davantage et à renforcer les côtés positifs et à pallier toutes les insuffisances que nous avons enregistrées. Mais quand vous parlez d'insuffisances, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le système LMD a montré ses limites? Pas du tout, non, c'est un système LMD perfectible. Nous avons formé et nous mettons sur le marché du travail chaque année près de 250 000 diplômés. C'est des diplômés qui ont montré leur preuve. C'est des formations de qualité. Peut-être que nous n'avons pas créé ou ouvert suffisamment d'offres de formation à caractère professionnel au niveau de nos établissements et que nous avons mis le paquet sur des offres de formation et sur des parcours purement académiques. Là, c'est une incohérence que nous sommes en train de régler petit à petit. Et cette année, pour preuve, nous avons ouvert une dizaine d'offres de formation professionnalisantes plus 4 offres de formation de type ingénierie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque vous parlez de vous adapter aux besoins socio-économiques du pays par rapport aux nouvelles filières d'ingénierie que vous avez mises en place, vous prenez en considération aussi la nécessité d'aller vers un système de numérisation de notre économie? Est-ce que vous prenez en considération par exemple les aspects liés à la numérisation, les nouvelles technologies d'information et de communication, les énergies renouvelables, tous ces aspects aujourd'hui que l'Algérie est en train de mettre en place? Absolument, c'est des questions d'actualité. Parce que pour les énergies renouvelables, professeur Chitour a indiqué qu'il ne faut pas moins de 8000 ingénieurs. Absolument, c'est des questions pertinentes, c'est des questions d'actualité et qui revêtent un caractère extrêmement important, voire même stratégique.
Et pour répondre à ce besoin pressant, le secteur de l'enseignement supérieur, dans sa stratégie, dans sa démarche, a mis en place déjà, de manière anticipée, l'ouverture d'un certain nombre de pôles de formation, voire même d'écoles dédiées aux énergies renouvelables à Betna, au numérique à Béjaïa, aux forêts à Rechla. Et dans un avenir très très proche, nous allons ouvrir également des offres de formation au niveau du pôle de Sidi Abdallah dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc c'est des chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, sans oublier la sécurité alimentaire de notre population. Et là, le ministère de l'enseignement supérieur, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, travaille en étroite collaboration pour l'ouverture et le lancement de deux pôles de formation dédiés à l'agriculture saharienne, respectivement à Ourgla et à Ouedsouf. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des capacités pédagogiques de nos universités. L'université algérienne, c'est pas moins de 1,5 million d'étudiants à travers tout le territoire national. C'est 109 établissements universitaires répartis à travers le territoire, dans 50 universités, 35 écoles supérieures et 14 écoles privées. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce portefeuille dont vous disposez aujourd'hui, on peut parler d'équité et régional en termes d'offres de formation au niveau de toutes les régions, qu'on soit du nord, sud, est ou ouest, aucune région n'est favorisée au détriment d'une autre. Je crois que c'est des questions aujourd'hui essentiellement économiques, politiques et sociales à la fois. Ah, absolument, la question d'équité est fondamentale. Et quand on regarde le réseau universitaire, sa répartition à travers le territoire national, on trouve qu'il y a des établissements d'enseignement supérieur dans toutes les wilayats du pays. Et dans le passé, il y avait un dysfonctionnement, un manque du fait que les écoles nationales supérieures étaient vraiment concentrées au niveau d'Alger, au niveau de l'Algérois. Et là, très vite, le ministère de l'enseignement supérieur a réagi en ouvrant plusieurs écoles au niveau de l'Oranais, au niveau du Constantinois, au niveau de Betna, au niveau de... et là, nous déployons même dans le Grand Sud. Et là, ça relève de l'équité, ça relève de la transparence, ça relève donc de la proximité du secteur de l'enseignement supérieur avec le citoyen. Donc aujourd'hui, le secteur de l'enseignement supérieur offre toutes les possibilités à nos jeunes pour se former. Et je dirais même plus, par exemple pour les bacheliers d'excellence, ceux qui ont obtenu un bac supérieur à 18, on leur offre le confort de s'inscrire là où ils veulent à travers le territoire national. Un exemple, un bachelier au niveau de l'Rouat, qui dispose d'une faculté de médecine à l'Rouat, en principe, d'après le principe de la circonscription géographique, un bachelier de moyenne, très bien, donc il ira automatiquement vers l'Rouat, mais en ayant une moyenne supérieure ou égale à 18, eh ben, il aura la possibilité de s'inscrire là où il veut. Donc ça, c'est favoriser l'excellence. Alors c'est le même principe pour les autres filières, parce que vous parlez beaucoup de la filière médecine. Bien sûr, un étudiant qui a eu son bac avec la mention d'excellence, il peut choisir n'importe quelle filière à travers le territoire national. Alors la qualité de la formation aujourd'hui, est-ce que c'est un axe essentiel sur lequel vous êtes en train de travailler? Certains considèrent que depuis quelques années, le niveau universitaire a fortement régressé. Quelle est votre réponse? Puisque vous avez été aussi recteur d'université à Béjaïa. Oui, effectivement, c'est un axe extrêmement important. Nous travaillons tous les jours pour améliorer la qualité de la formation, mais aussi pour qu'elle soit en adéquation avec le monde socio-économique. Nous travaillons sur le segment de l'assurance qualité et nous sommes en train de mettre en place une agence d'accréditation qui va voir le jour dans les très très prochainement, Inch'Allah, et les autorités, Monsieur le ministre l'annoncera en temps opportun, cette agence d'assurance qualité qui aura la prérogative de veiller sur les aspects touchant la qualité, mais aussi dans le cadre de la révision de la loi d'orientation et du statut de l'université,
nous sommes en train de réfléchir sur le renforcement des relations entre l'université et l'entreprise de manière à renforcer justement cette notion de qualité et cette notion de partenariat, d'échange et d'offrir le maximum des terrains de stage pour nos étudiants. Et la loi d'orientation est en voie de révision actuellement au niveau de votre département ministériel. Vous voulez apporter des changements ou vous voulez complètement l'abroger totalement dans son intégralité? Il va y avoir beaucoup de changements, oui, de manière à la rendre plus adaptée à la situation actuelle. Sur les aspects liés, sur les aspects pédagogiques essentiellement ou sur tous les aspects? Sur tous les aspects pédagogiques, scientifiques et organisationnels. Dans le contexte actuel, l'agence assurance qualité, c'est important, puisque vous l'avez annoncé, qu'il sera mise en place prochainement. Extrêmement important. Elle prendra en charge la formation des formateurs? Elle prendra en charge la qualité de la formation, elle prendra en charge l'accréditation des offres de formation. Donc c'est un organe qui est extrêmement important, c'est un organe complètement indépendant. C'est un regard de l'extérieur qui va pouvoir identifier les points forts sur lesquels nous allons travailler pour les consolider et qui va nous identifier également nos points faibles pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette agence assurance qualité aura aussi en charge l'évaluation pédagogique des 109 établissements universitaires répartis à travers le territoire national, dont 50 universités, 35 écoles et 14 écoles privées? Est-ce qu'on va parler des privées? Oui. L'évaluation pédagogique, aussi bien interne qu'externe. L'évaluation interne, elle se fait en interne, mais l'évaluation externe, elle va être assurée par un organe externe. Et là, Monsieur le Ministre n'a pas cessé de le répéter, eu égard à l'importance de la gouvernance et de l'assurance qualité, auquel il attache une importance tout à fait particulière. Et donc l'agence d'accréditation et d'assurance qualité aura un rôle extrêmement important et je suis certain qu'elle apportera sa contribution dans l'amélioration de la qualité de la formation dans notre pays. Est-ce qu'elle permettra aussi, d'un autre côté, l'amélioration du classement de nos universités au niveau, par exemple, du tableau des classements à travers le monde? Puisque certains considèrent qu'on est au bas du tableau et les classements le montrent. Non, pas du tout, on n'est pas au bas du tableau. Je vous rassure, nos universités ont fait une percée qualitative indéniable. Nous étions très très loin dans le classement mondial, effectivement, mais depuis quelques années, on commence à être vraiment très très visible à travers le monde et nous avons un certain nombre d'universités qui sont classées dans les top 600, top 700 au niveau mondial. Sur les 35 000 établissements d'enseignement supérieur, nous avons des universités algériennes qui sont classées à la 600, à la 700e place. Donc il y a une percée qualitative qui est indéniable, surtout sur le plan recherche scientifique et dans des domaines très particuliers, comme par exemple dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine des sciences des matériaux, dans le domaine du génie civil, là où il y a des potentialités extraordinaires. Alors, je voudrais revenir avec vous sur des questions des auditeurs. Le concours du doctorat, c'est pour quand, rapidement? Le concours du doctorat aura lieu en janvier 2021, Inch'Allah. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pour certaines universités qui enregistrent de retard actuellement en termes, par exemple, d'études, les cours de rattrapage, quand tout ce travail sera totalement finalisé? Normalement, il sera finalisé courant du mois de novembre. Et le démarrage de l'année universitaire aura lieu le 22 novembre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi interdire aux étudiants ayant un deuxième bac de suivre une autre spécialité, même après la fin du cursus avec le premier bac? La norme que nous avons actuellement et la politique générale de notre pays, c'est qu'on assure une place pédagogique pour chaque bachelier. Et préparer un deuxième diplôme, c'est permis, mais après avoir terminé ses études, 5 années après. Alors, autre question qui concerne bien sûr les formations médicales, est-ce qu'il y a un projet de réforme du mode d'examination des DEMS pour les résidents en études médicales spécialisées aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer que cette question est examinée?
Alors, la question de la refonte des programmes pédagogiques au niveau de la filière de médecine, elle est engagée. Nous sommes déjà à la troisième année. La première année, le programme pédagogique a été complètement revu, réactualisé. La deuxième année également. Et la troisième année, nous l'entamons cette année avec une nouvelle approche, avec un nouveau contenu pédagogique. Alors, vu la situation exceptionnelle que nous traversons depuis le mois de mars, il faut des mesures et des décisions similaires pour l'évaluation des étudiants concernant le deuxième semestre, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de classes cette année. Oui, comme je vous l'ai dit, la situation sanitaire cette année nous a un peu bousculé et nous avons dû réadapter notre système d'examination, d'évaluation et de progression des étudiants. C'est ainsi que M. le ministre a signé un arrêté le 26 août dernier, il porte le numéro 633, dans lequel il apporte un certain nombre d'amendements, un certain nombre d'assouplissements pour l'évaluation et la progression des étudiants. Là où nous avons permis l'évaluation à distance pour les unités d'enseignement découvertes et transversales, et l'évaluation en présentiel pour toutes les unités d'enseignement fondamentales. Nous avons également permis la compensation entre un certain nombre de semestres. Nous avons levé un certain nombre de verrous pour faire face à cette situation, car nous jugeons que pour situation exceptionnelle, il faut impérativement des mesures exceptionnelles. Mais mesures exceptionnelles, quelle stratégie d'adaptation des spécialités en fonction du retour d'expérience du Covid-19, nouveaux métiers, nouvelles formations, l'enseignement à distance, le favoriser encore davantage? Alors, c'est l'enseignement hybride. C'est l'avenir. C'est l'enseignement hybride. Le travail à distance aussi. Le travail à distance. Les statistiques donnent 3 millions d'étudiants horizon 2030 en Algérie. Franchement, nous n'avons pas les moyens de les prendre en charge si on commence, si on continue sur ce mode d'enseignement traditionnel. Donc il faut de l'innovation, il faut une nouvelle vision, il faut une nouvelle organisation. L'enseignement à distance, le favoriser. L'enseignement hybride. Je voudrais bien parler de l'enseignement hybride. Et là, c'est l'avenir, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Alors c'est pour quand des universités internationales? Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie va s'ouvrir, puisqu'elle ouvre aujourd'hui son domaine économique, va ouvrir aussi son portefeuille universitaire à des grandes universités internationales, des universités américaines, chinoises ou italiennes? Est-ce que c'est envisagé aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de réviser la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Nous sommes en train non seulement de l'adapter pour qu'elle soit en adéquation avec la réalité d'aujourd'hui, mais aussi dans un esprit de prospective. Et cette question a été évoquée et nous sommes en train de travailler dessus. Alors, 14 écoles privées à travers le territoire national, mais qui ont un statut de formation professionnelle. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez mettre fin à ce type de dichotomie aujourd'hui, de telle sorte à ce que ce soit dans l'enseignement supérieur, non pas avec un statut de formation professionnelle? Elles n'ont pas un statut d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, puisqu'elles ont la tutelle pédagogique. Elles ont l'agrément. Voilà, elles ont un agrément, mais elles ont aussi la tutelle. Elles bénéficient de la tutelle pédagogique. Donc nous accompagnons ces écoles privées. Et nous allons travailler pour renforcer justement ce segment. Car les universités privées. Absolument, parce que on juge qu'actuellement, le privé peut apporter sa contribution dans la formation supérieure. Une réévaluation, une réestimation, par exemple, des tarifs qui sont aujourd'hui payés par les étudiants, par exemple, puisque vous allez tout numériser, même les inscriptions se feront en ligne, et même le paiement un peu... Alors, des frais d'inscription se feront également à distance. Absolument. Nous avons complètement dématérialisé cette opération des inscriptions des nouveaux bacheliers, y compris le paiement des frais d'inscription, y compris également la présentation du baccalauréat. Et là, je tiens à remercier vivement nos amis du secteur de l'éducation nationale qui nous ont permis d'avoir une copie certifiée du baccalauréat. Également nos amis des postes et télécommunications qui nous ont beaucoup aidés pour permettre le paiement électronique à distance des frais d'inscription, mais aussi également nos amis du secteur du ministère de l'enseignement supérieur qui nous ont permis d'accéder à leur base de données pour avoir
et la photo du bachelier et son extrait de naissance. Monsieur Bralem Seydani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.